Primero que nada, explicarle la situación de la espera debido fundamentalmente al tiempo de los Hamasid, al tiempo del desierto, que no se sabe cuándo se empieza ni cuándo se termina. Los problemas que han surgido para dar comienzo a este acto a la hora que estaba ya prevista se debe a la delegación de las autoridades que iban a asistir. Se ha retrasado el vuelo correspondiente a la isla y la hemos propuesto pues para las 12 horas. De todas formas, también dejando de lado aquellos inconvenientes que han sufrido las diferentes delegaciones de toda la Tamasga, con respecto a los visados, a los billetes, etcétera, tenemos que decir que es un éxito de que estemos todos reunidos aquí, encontrándonos todos y participando e intercambiando las opiniones. Se encuentra con nosotros el director general de Cultura del Gobierno de Canarias y el presidente del Buró Mundial del Congreso, el señor Maurud Percal. Se encuentra también presente en la sala invitados de las asociaciones culturales que pertenecen a todo el mundo, interesados por este tema, pertenecientes a los países de Argelia, Libia, Marruecos, Burkina Faso, Mali, Níger y de Canarias, aparte también delegaciones de Estados Unidos y de Canadá. Queremos dar a todos la bienvenida y que participen y cumplan un poco los horarios que están colocados para las intervenciones, tanto en las comisiones de trabajo como en lo referente a las comidas. Sabemos que somos de diversas regiones del mundo, tenemos un tiempo en nuestros países para cumplir con los horarios, pero aquí tenemos que avanzar en unos trabajos más concretos y tenemos que hacer lo posible por cumplir con los horarios. Paso la palabra al presidente del Congreso, Maurud Percal. أسه ذا سم قران بد مزروي لمزيغا ذا سم قران يوجود مزيغ يوراون تمزغا أملي لي عاقيا أورتي فتسوم مزروي إمين سيكل تمزواروث إملال لمزيغا أفاكا نسن تسوتين أيا يتوافضان يتوران تليسا غرسن أسه أقلاغ ذا يوكن أدليني يومضى المرة باللي إمزيغا ذكسن أكن أدرن أيلنسن ذي زرفان نسن توثلايث إذلس أمزروي تماقيل أفريد إذ جنران أناوي أمن نغنى ذوين تقدو ذا إزرفان غرفان أفرا سلويث تنمير شيخ سوغ شيخ خير شيخ زمي الزول. Au nom du Congrès mondial des Mazirs, je tiens à vous exprimer très sincèrement mes remerciements pour votre présence ici. Nos remerciements vont d'abord à nos frères canariens qui accueillent aujourd'hui cet événement historique. Nous remercions les membres du comité d'organisation qui ont déployé énormément d'efforts pour la réussite de notre congrès. Nous saluons le combat des Canariens pour la restauration de leur culture et de leurs valeurs ancestrales. Nos remerciements vont aussi aux autorités du gouvernement autonome canarien, représentées par M. Horacio
un Pérez Sanchez qui ont accepté de soutenir cette manifestation qui marque un événement important de l'histoire du peuple amazigh. Nous remercions les délégations des peuples amis qui nous honorent par leur présence ici, apportant ainsi leur soutien à nos travaux pour le recouvrement de nos droits culturels et identitaires. Qu'ils soient assurés à leur tour de notre solidarité pour le triomphe de leur lutte. Des organisations de défense des droits de l'homme et des peuples sont également parmi nous. Qu'ils soient remerciés pour l'intérêt qu'ils portent à nos travaux. Nos remerciements vont aussi à l'ensemble des militants de Tamazra et de la diaspora qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour aboutir à la tenue de ce congrès. Nous remercions tous les délégués ici présents. Leur détermination et pour beaucoup leur sacrifice sont récompensés aujourd'hui par cette grande réunion fraternelle. Nous remercions les universitaires de la communauté amazigh internationale dont le concours sera important pour la réussite de nos travaux. Enfin, nous remercions nos artistes ici présents, dont la production constitue un capital inestimable pour la sauvegarde de notre culture. Chères sœurs, chers frères, chers amis, le Congrès mondial amazigh est une organisation internationale indépendante des États et des partis politiques. Il œuvre pour la défense et la promotion de l'identité culturelle de Tamazra. Le combat de notre organisation s'inscrit dans le respect des valeurs universelles de démocratie, droits de l'homme et de liberté. Notre mouvement est un mouvement pacifique porté par la rationalité et l'ouverture sur les autres cultures du monde. Notre identité doit être restaurée dans ses droits fondamentaux par les institutions des États d'Afrique du Nord et du Sahel. Nous exigeons la constitutionnalisation et l'institutionnalisation de notre identité. Nous tenons à mettre fin au traitement discriminatoire dont Tamazight fait encore l'objet. Notre congrès donnera, j'en suis sûr, un nouvel élan et un nouveau souffle au combat pour la mazérité. Encore merci à tous et à toutes de votre présence ici. Ditegera adnimir fuzert yarfan itmaran afsilia fuzert itmazir. Primero que nada, pedir disculpas por el retraso, pero siempre sintomático el tratamiento, incluso a nivel de problemas de transporte y comunicaciones entre islas, sobre todo entre unas islas y otras, sobre todo como en Fuerteventura con el resto de las islas capitalinas o universitarias. En nombre del Gobierno de Canarias, bienvenidos a nuestra Casa Común. Casa Común, por ser Canarias, el primer espacio desgajado de ese mosaico cultural que el mundo amazigh hoy comprende. Desgajado por el empuje brutal que el occidente europeo y una economía estancada provocó del siglo XIV en adelante, pero que ha constituido en Canarias una sociedad específica y especial que grita hoy como este congreso por buscar y conservar una identidad propia y especial, por una cultura en la que los conceptos de multiculturalismo y mestizaje son su vértice más importante. Justo el camino que hoy el hemisferio norte abandera y sus teóricos esquematizan en Canarias ya había sucedido. Bienvenidos a los representantes de una cultura que está en nuestros orígenes más claros y evidentes y que en muchos siglos se ha intentado ocultar por el celo de una sociedad que ha querido colocarnos siempre lejos de la realidad más evidente. Bienvenidos a la diáspora cultural, posiblemente el más duro destierro. Canarias sabe mucho de destierros. Compartamos esta casa, nuestra casa, la casa de ustedes, la casa de todos. Queda inaugurado el primer congreso amazigh. Gracias.
Acresaire. Je ne suis pas berbère, mais occitan, et je me sens tout à fait votre frère. Au nom du Parti nationaliste occitan, dont j'assume la présidence, je vous remercie infiniment de nous avoir invités à participer à votre congrès. Peu d'entre vous connaissent l'Occitanie en tant que nation qui lutte pour son indépendance. De même, peu d'entre nous, parmi les 13 millions d'Occitans que nous sommes, connaissent l'existence et les limites de la Berbérie, ou mieux, de Tamesra. Et pourtant, nos situations sont si proches l'une de l'autre. Nos deux nations sont des victimes de l'histoire, occupées, pillées, colonisées. Elles n'ont pu survivre qu'en résistant. Nos deux langues sont menacées de génocide culturel dans la mesure où elles ne sont pas normalement enseignées. Un de nos grands dirigeants politiques, Jean Jaurès, disait à juste titre « Une langue que l'on n'enseigne pas est une langue qu'on tue ». Nous sommes la plus grande. Nous sommes la plus grande nation sans État d'Europe, comme vous êtes la plus grande nation sans État d'Afrique. Notre seule force de vie est notre culture, et comme vous, nous plaçons la culture au-dessus de tout. N'oublions pas que Marseille, la plus grande ville, la plus grande de nos villes, est plus près de Tizi Ouzou que de Paris. Je vous invite à réfléchir à l'évolution actuelle du monde. Quelqu'un qui aurait simplement observé une carte des langues du monde aurait pu prévoir les grands événements de ce siècle. Il aurait pu prévoir la décolonisation des empires anglais et français, la fin de l'Empire soviétique, l'éclatement de la Yougoslavie, la réunification de l'Allemagne et tellement d'autres événements qu'il est plus possible aujourd'hui de comprendre l'histoire sans tenir compte de la géographie des langues. Les idéologies qui ont voulu ignorer les phénomènes culturels tels le marxisme ou le libéralisme, par le fait qu'elles réduisent l'être humain à sa seule dimension économique, ont abouti et aboutissent à de telles absurdités qu'elles ont fait et font faillite. L'humanité ne progressera vraiment qu'en tenant compte de ces différences de langue. Le développement du langage est ce qui caractérise l'être humain. Il n'y a pas d'activité économique qui ne passe par le langage. Il n'y a pas de vraie relation humaine sans respect de la langue de chacun. Cau ten salengo. Ten la clau que di cadene lo delivro. Je traduis. Qui tient sa langue, qui possède sa langue, possède la clé qui le délivre, qui déchaîne, le délivrera. Jamais cette phrase de notre grand écrivain Frédéric Mistral n'a été aussi vraie. Notre combat et celui des droits de l'homme, et ce combat passe par le droit des langues qui sont essentielles à l'homme. Ce que nous voulons, c'est simplement un monde plus humain. Ce monde idéal qui n'exclut aucun peuple, y compris ceux qui nient notre existence, est celui qu'a entrevu le fondateur de notre parti, l'Occitan François Fontan. Je vous invite à consulter ces cartes ethniques. Elles font place, bien sûr, à l'Occitanie, mais aussi à la grande nation amazigh. Fontan souhaitait que se constitue un grand état amazigh, allant de l'oasis de Siwa jusqu'à Agadir, d'Agadez jusqu'à Tizi Ouzou. Cet état devait avoir son unité territoriale, soit par terre, soit par mer. Depuis le décès de Fontan en 59, bien des événements ont confirmé sa théorie ethniste. L'instauration des autonomies dans l'État espagnol en est un exemple éclatant.
Ce n'est peut-être pas un hasard si le congrès que nous tenons aujourd'hui à Tafira bénéficie du soutien de la région autonome des Canaries. L'Espagne des autonomies, nous la devons aux Basques et aux Catalans, plus particulièrement parce que ces deux peuples ont su défendre leur langue avec une efficacité remarquable. S'ils ont pu mener ce combat, c'est peut-être parce qu'ils ont pu se réfugier ou s'organiser en Occitanie dans les temps difficiles grâce à l'aide de leurs frères occitans qui les ont si souvent hébergés. Nous sommes infiniment heureux que votre pré-congrès ait pu se tenir en Occitanie, en Lozère, à Saint-Rome-de-Dolon, au cœur de l'Occitanie. Aujourd'hui, les États d'Europe ont beaucoup perdu de leur arrogance. Ils évoluent lentement, mais inéluctablement vers une Europe des ethnies. Une certaine renaissance des langues dites régionales se fait jour dans tous les États qui entourent la France. La France ne peut rester indifférente à cette évolution. Aujourd'hui, elle se régionalise. Gageons qu'elle sera demain fédérale. C'est dans cette perspective que l'Occitanie a toutes ses chances. Si nous arrivons à faire évoluer ainsi l'État français vers une reconnaissance de ses dernières colonies, à savoir le Pays Basque ou Euskadie, la Catalogne, la Corse, l'Alsace, la Flandre, la Bretagne et l'Occitanie, sans oublier ce qu'il est convenu d'appeler les confettis de l'Empire, les territoires d'outre-mer, cela, je pense, donnera à réfléchir à tous les États d'Afrique qui dominent le peuple amazigh. Ces États sont la création de la France. La France est leur modèle. Si la France change, ils seront amenés à changer eux aussi. Ils en finiront avec leur guerre de frontières absurde afin d'envisager ensemble un espace de développement économique pour tous les pays qui entourent le Sahara. Et vous serez, vous, peuple amazigh, le lien tout désigné entre ces États. Votre langue peut devenir leur moyen d'échange. Voilà pourquoi la langue amazigh est, selon moi, promise à un grand avenir. Il importe pour cela de mettre en œuvre... toutes les solidarités nécessaires de par le monde. Le combat que vous menez est celui de tous les peuples du monde pour leur liberté. Il est celui des forces vives contre les forces de mort qui sont chez nous le parti de Le Pen et chez vous l'ensemble des dictatures, quelles que soient leurs origines. Vous avez fait un grand pas en réunissant ici l'élite du peuple amazigh. Votre jeunesse, si nombreuse, attend que vous lui montriez le chemin de la liberté. Je suis persuadé que vous ne la décevrez pas. J'en termine en souhaitant que vive l'amitié entre nos deux peuples, que vive l'amitié entre tous les peuples du monde. Chers amis, après un discours aussi fraternel et aussi bien construit, j'aurai du mal à répéter les mêmes choses. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de vous apporter l'amitié, la fraternité, la solidarité du peuple kurde. Vous savez, tout a été fait pour qu'on nous oublie, vous comme nous, nous comme vous. En cela, nous avons des similitudes qui sont malheureuses.
Nos cas sont similaires car nous sommes partagés entre des frontières artificielles. Nous sommes similaires quand nous sommes transfrontaliers. Nous sommes similaires car nous étions des majorités devenues minorités politiques, sans l'être, sans être des minorités. Mais tout cela, c'est des réalités politiques. Il y en a une qui est plus grave. Celle-là, c'est menée de longue date. Celle-là, ça vise notre existence à jamais. C'est celle qui est menée contre notre culture, qui argumente, qui nourrit notre identité. Et cette visée de la destruction identitaire, malheureusement, vous la connaissez autant que moi, autant que nous. En cela, je suis sincèrement heureux de voir aujourd'hui tant d'intellectuels, tant de congressistes, l'élite de la nation, l'élite du peuple amazigh, ici présent. Je suis vraiment fier de me retrouver dans cette occasion historique. Alors, nous n'avons pas que des similitudes malheureuses, nous avons aussi des espoirs qui sont heureux et qui nous sont communs. C'est l'espoir que notre combat est juste, que notre combat est naturel, que notre combat, comme a dit notre ami président, vise le droit, vise la paix. La guerre, nous la connaissons, nous l'avons plus que connue. Cette guerre-là, nous voulons plus que d'autres que ça cesse, que ça arrête, qu'enfin on se reconnaisse mutuellement. Ceux qui nous dominent, ceux qui nous interdisent, ceux qui visent nous faire disparaître, nous leur reconnaissons, nous leur demandons simplement de faire autant, au moins de reconnaître notre identité culturelle en mettant un peu de côté leur peur politique. Je ne veux pas m'attarder, je pense que je vais m'arrêter sur cet espoir qui est suscité aujourd'hui en ma personne par votre congrès. Je le ferai part à mon peuple. Je vous soutiens de tout mon cœur et je répète notre fraternité, notre soutien le plus naturel avec vous. Je vous remercie. Today, I wanted to thank you. Je voulais vous remercier pour votre invitation. J'ai fait juste une petite prière pour que notre Dieu créateur nous aide. J'ai mentionné que nous avons besoin de travailler ensemble. Indian leader by the name of Sitting Bull, he said that with our hands open, we are weak, but if we close them together, we will be strong. Et notre Dieu nous a dit donc, si nous avons notre main ouverte avec nos cinq doigts séparés, nous sommes faibles, mais si nous les regroupons, nous sommes forts. The Six Nations Indian people. He held up three arrows and he broke one of them individually. Une autre histoire donc indienne, il a pris trois flèches et il les a cassées séparément. Donc une flèche cassée séparément est faible, mais si vous les rassemblez, vous ne pourrez jamais casser les trois flèches ensemble. I come from the Tohono O'odham nation. Je suis venu de Tohono. Live on the border of Mexico and the United States. Qui est situé à la frontière du Mexique et des États-Unis. Representative of the International Indian Treaty Council. Je suis ici en tant que représentant du peuple indien.
Has to be brief, but I wanted to at least say. Je dois être bref, mais je voulais au moins dire que dans l'esprit des ancêtres indiens, les jeunes personnes doivent savoir, comme nous enseignons à nos enfants indiens, que l'hémisphère ouest est notre maison. Vous devez dire à vos enfants que l'Afrique est votre maison. Nous avons besoin de comprendre nos secrets, les secrets de nos mères. Aujourd'hui, le soleil ne brille pas comme il brillait autrefois. Et nous souffrons beaucoup plus aujourd'hui que nous avons souffert autrefois. Dans les Berber, the Touareg, the Amazigh people, the indigenous people. Dans un esprit d'amitié, nous offrons donc notre aide et nous collaborons tout à fait au mouvement Amazigh. Put our minds together, as Sitting Bull said, and let's see what future we can make for our children. Nous avons besoin d'être solidaires et enfin d'envisager un autre futur pour nos enfants. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me présente, je suis Angeline van Achterberg, du Centre néerlandais pour le peuple autochtone aux Pays-Bas. Et je suis venue ici comme observatrice parce que le peuple berbère, de la Méditerranée jusqu'à la rivière Niger, de l'Oise de Siwa jusqu'aux îles Canaries, sont un peuple autochtone qui mérite d'être connu, qui mérite d'être soutenu par toutes les organisations des droits de l'homme, toutes les associations pour la démocratie. C'est pour ça que je suis venue ici comme observatrice. Et j'espère apprendre beaucoup de vos commissions, de vos ateliers et surtout de votre connaissance de votre peuple et de votre culture. Je vous remercie. Excusez-moi si je peux uniquement parler l'anglais. Je peux comprendre le français, mais je ne peux pas le parler. My name is Alessandro Michelucci. I represent the Mon nom est Alexandre Michelucci, which is a German-based NGO working for people's rights since the beginning of the 70s. Donc je fais partie d'une association qui est basée en Allemagne et qui fonctionne depuis les années 70. Cette organisation est basée en Allemagne, mais je veux vous dire qu'elle a été fondée à la suite de la tragédie africaine pour les Biafrais, qui a été la première étape donc de la fondation de notre mouvement dans les années 70. Nos actions, notre action est orientée vers toutes les personnes qui souffrent. So from the Corsicans to the Australian aborigines, des conséquences des aborigènes australiens. Et nous travaillons donc en collaboration avec les alliances européennes. Which, uh, I heard about
before. I am so proud of being invited here. Je suis très fier d'être invité ici. But I think this is an important step for a long. Et je pense que c'est une étape très importante pour les peuples oubliés. To let people know what the Berbers are, because the countries of Northern Africa are usually perceived as all Arabian fact. Et je suis très content de pouvoir enfin resituer l'origine des Berbères en Afrique du Nord, et car tout le monde les assimile à tout le monde assimile l'Afrique du Nord à une région arabique. And we are trying to let the people know that the Berber. Et nous essayons justement de dire aux gens de notre pays que les Berbères ne sont pas des Arabes. More than this, that the Berber people is usually the first victim of armed Islamism. Plus que ça, nous voulons aussi donc affirmer que les Berbères and that the Berber people is fighting against Arabization. Que les Berbères luttent contre l'arabisation. Avant de redonner la parole à M. Louis Falcone, président du comité d'organisation, je tiens à vous lire un message de Mohamed Chafir, qui n'a pas pu se rendre à Tafira pour des raisons de santé, et qui nous envoie donc un message. Il envoie un message aux congressistes. Aïthman Imaziran, il est temps pour nous de parler sur un temps ferme, car il faut que la communauté internationale se rende bien compte du fait que si dans le passé les Berbères ont plus d'une fois défendu vaillamment des causes qui n'étaient pas forcément les leurs, ils sont désormais décidés à assumer consciemment leurs responsabilités à l'égard d'eux-mêmes et à s'affirmer en tant que peuple et nation. Voici tantôt 40 ans que notre adversaire, mais néanmoins partenaire en civilisation, adorateur du verbe si l'on est, s'ingénie à nous enfermer dans une interminable et stérile polémique, pendant que nos spécificités les plus positives, à savoir notre belle langue, notre passion de l'égalité entre les hommes, notre culte de la simplicité en tant que source de clarté, de vraie beauté et de force, notre ardeur au travail, notre sens de l'économie, etc. Pendant que nos spécificités les plus positives donc se perdent dans les remous d'un fusionnement culturel à la va-vite, et pendant que d'aucuns parmi les nôtres, hélas, se font à leur insu les fossoyeurs enthousiastes de notre identité, j'estime pour ma part que le Congrès mondial Amazigh est moralement habilité à notifier aux partenaires adversaires notre volonté d'être nous-mêmes, d'une part, et à signifier, d'autre part, aux nations réellement aptes à juger en équité qu'elles auraient intérêt à voir vivre en paix une Tamazra plusieurs fois victime d'agressions le long de sa longue histoire, mais toujours soucieuse de se confiner, quant à elle, dans les limites de son territoire, berceau devenu pour ses fils terroirs à nul autre pareil. Cessons donc, chers amis, d'être comme par jeu, viléitaire et pusillanisme. En retour de leur bonne foi, nos ancêtres n'ont jamais reçu autre chose que perfide et trahison. Nous ne le déplorons pas, mais tirons-en leçon. Loyaux nous serons toujours, mais dupes jamais plus. Nous avons largement payé à l'humanité notre tribut d'ingénuité. Nous sommes aujourd'hui à même de clamer fort notre droit à vivre notre berbérité, d'autant mieux que notre disponibilité à adhérer à l'universel, c'est-à-dire à ce qui semble tendre à unir les hommes, n'a jamais fait défaut. N'avons-nous pas, depuis la plus haute antiquité, participé aux grandes civilisations et contribué à assurer leur
rayonnement. De votre tribune, Imaziran salue tous les peuples désireux de mieux se connaître et s'enrichir mutuellement, mais saluez en particulier ce grand pays civilisé dont les avions ont vrombi au-dessus de nos forêts, les mitrailleuses lourdes crépitaient sur les crêtes de nos montagnes et l'artillerie tonnait dans nos vallées 3 décennies durant. Au début de ce siècle, pour réduire à la misère économique, morale et culturelle nos pères et nos grands-pères, et pour nous contraindre nous-mêmes par voie de conséquence à aller quêter notre subsistance là d'où sont sorties les armes de notre malheur. Dites à ce grand pays que si nous avons pardonné, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié que ce sont ces absurdes visées coloniales à la romaine qui ont vraiment fait perdre pied à la berbérité pour la première fois de son existence, l'ont profondément humilié et en fin de compte l'ont livré pied et poing lié à un colonialisme d'un autre ordre, rompant lui depuis des siècles, bien drapé en une doctrine généreuse et lumineuse au départ, mais pervertie à l'arrivée comme tout grand dessein voué aux vicissitudes des luttes politiques, économiques ou simplement idéologiques. Grâce à notre légitime et pacifique combat, grâce à nos sacrifices et grâce aussi à une vigilance aiguisée par nos déboires passés, Temazra vivra par elle-même et pour elle-même, sans avoir pour autant à renier les solides affinités tissées pour elle par sa géographie et son histoire. Que vive Temazra, que vive Imaziran, que vivent tous les peuples épris de justice. Alors, en PS, il met ce que l'autre voudrait, c'est que je m'abaisse à renier ma berbérité, pour qu'ils s'en gossent à part soi et se réjouissent à la fois de l'efficience de son idéologie paradoxalement raciste et unioniste. Mouhouch, humoriste berbère décédé en 86. Bueno, aquí terminamos el acto protocolario de esta apertura del Congreso, recordándoles a todos los asistentes que esta tarde, a partir de las 4, comienza la sesión del plenario para preparar los trabajos de las comisiones. Recordarles de que la comida está prevista normalmente para los delegados de 1 a 2 de la tarde. Sin embargo, hoy, sin que sirva de precedente, ya pueden ir al comedor. Pero queriéndole decir de cumplir lo más posible los horarios establecidos para poder terminar los trabajos del Congreso. Deseándoles a todos y agradeciéndoles la presencia, recordándole también a los invitados que pueden asistir a los trabajos de comunicaciones y de ponencias que tendrá lugar el día 28 por la mañana y por la tarde, y el día 29 por la mañana en unas conferencias o pequeñas conferencias sobre trabajos de diferentes aspectos de arqueología, historia, etc. También, paralelamente, habrá talleres o conferencias que se montarán en los diferentes departamentos, principalmente en donde está la prensa o el gabinete de prensa del Congreso. Es necesario también recoger las credenciales que faltan para todos los delegados. Un saludo a todos, bienvenidos y a trabajar y a trabajar.
Susan Ignacio. Idéal qui n'exclut aucun peuple, y compris ceux qui nient notre existence, et celui qu'a entrevu le fondateur de notre parti, l'Occitan François Fontan. Je vous invite à consulter ces cartes ethniques. Elles font place bien sûr à l'Occitanie, mais aussi à la grande nation amazigh. Un grand état amazigh, allant de l'oasis de Siwa jusqu'à Agadir, d'Agadez jusqu'à Tizi Ouzou. Cet état devait avoir son unité territoriale, soit par terre, soit par mer. Depuis le décès de Fontan en 59, bien des événements ont confirmé sa théorie ethniste. Souhaitant que vive l'amitié entre nos deux peuples, que vive l'amitié entre tous les peuples du monde. Aussi fraternel et aussi bien construit, je remets mal à répéter la même chose. J'ai le plaisir, car nous étions des majorités devenues minorités politiques.
sans être, sans être des minorités. Mais tout cela, c'est des réalités politiques. Il y en a une qui est plus grave, c'est celle qui est menée contre notre culture, qui argumente, qui nourrit notre identité. Et cette visée de la destruction identitaire, malheureusement, vous la connaissez autant que moi, autant que nous. En cela, je suis sincèrement heureux de voir aujourd'hui tant d'intellectuels, tant de congressistes, l'élite de la nation, l'élite du peuple amazigh, ici présent. Je suis vraiment fier de me retrouver dans cette occasion historique. Alors, nous l'avons... des droits des peuples et de l'homme sont tous ces présents ici. Nous les invitons à prendre la parole aussi. Todos los delegados, un saludo a todos, bienvenidos y a trabajar y a trabajar.